Bonjour, je suis Laurent Tixader. Je suis un artiste qui a fait beaucoup de marches. Voilà, et en fait, je peux même dire que je viens de la marche. Ça m'a poussé à travailler sur des savoirs en fait, que je pouvais emporter sans avoir à les transporter, justement. Ici, j'ai travaillé sur ce potager aquaponique, qui était aussi une technologie que je ne connaissais absolument pas et que j'apprends petit à petit à maîtriser. Quand on m'a proposé ici au Musée des Beaux-Arts de travailler dans cette vitrine, j'ai pensé immédiatement à plutôt une serre. Et c'est ça qui m'a fait partir en fait sur l'idée d'un potager. Alors comme évidemment on est dans une espèce de désert minéral en fait, avec la rue, avec ce parvis, etc. Il n'y a absolument pas de terre. Et c'est pour ça que je suis allé vers cette solution de l'aquaponie en fait, qui est justement complètement hors sol et qui malgré tout est un système qui vise à recréer un cycle naturel. Le fait de créer un jardin comme ça dans une zone désertique, c'est aussi une espèce d'acte de résistance, de fabriquer une cabane de jardin, de pouvoir se permettre ça plutôt que de placer une œuvre qui soit juste une œuvre, quoi. Voilà.